La question de l'exode rural dans le département de la Doutila à Mabanda, au centre des préoccupations d'un compatriote. Abel Judikael Mikala, c'est son nom. Natif de cette localité, il a lancé depuis 2018 une coopérative agricole baptisée Nzinga Agrotropical. Si la volonté de notre compatriote à créer de l'emploi dans la localité y est, le seul bémol à déplorer est que plus d'un an après la mise sur pied de cette œuvre agricole, la Questap, qui devrait encourager ses planteurs, ne passe plus acheter son produit. Allons-y à la découverte de ce chef-d'œuvre agricole. Nous sommes dans le département de la Doutila à Mabanda, dans la province de la Nyanga. En l'absence d'un véritable tissu économique industriel, certains cadres de cette localité s'adonnent actuellement à l'agriculture comme solution à l'emploi et l'exode rural. Le cas de notre compatriote Abel Judikael Mikala, qui depuis 2018 a lancé une coopérative agricole baptisée Nzinga Agrotropical. Ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que le village ne disparaisse pas et qu'il y ait des gens qui puissent être attirés de la ville vers le village. Voilà, parce que c'est un site qui offre quand même des petits emplois, que ce soit aux élèves ou bien aux villageois eux-mêmes qui sont sur place. Donc, si le village ne doit pas disparaître, il va falloir mettre des conditions ici au village qui permettent aux gens d'avoir des petits bricoles. Tout en restant sur place, ça leur permet d'acheter un peu de savon, tout le besoin nécessaire. On ne va pas dire qu'on va leur donner le bonheur, mais on fait le nécessaire, le minimum, qui fait que les gens restent sur place en ayant des petits bricoles. Plus de 20 hectares d'espaces cultivables ont été aménagés pour divers types de plantes, en l'occurrence le cacao. Nous sommes sur une superficie de 3,5 hectares de cacao. On entretient régulièrement, le dépôt c'est la Questap qui ne vient pas constamment payer. Parce que là, par exemple, on a beaucoup de sacs de cacao depuis bientôt un an, c'est pas payé. Bon, ça nous pénalise, puisque ça, c'est quand même avec ces récoltes qu'on paye, qu'on essaie un peu de contenter tous ceux qui viennent nous aider au quotidien. Voilà, quand la Questap fait un an qu'ils ne viennent pas payer le cacao, ça nous pénalise un peu. La coopérative Nzinga Agrotropical veut promouvoir le développement économique et social des populations de la Doutila, tout comme la commercialisation de ses différents produits agricoles.